Après une semaine de porte-à-porte à travers plusieurs villages du Haut-Lontema, l'activité de vaccination intensifiée dans le nord a pris fin ce jour. C'est dans le village de Bikoro, à quelques kilomètres de la ville d'Oyem, que nous sommes allés à la rencontre d'une équipe mobile. Occasion pour le superviseur d'équipe de dresser un état des lieux de la campagne. Donc c'est une campagne qui a démarré le 12 août 2024 et qui prend fin ce jour, vendredi 16 août 2024. Bon, les observateurs, comme vous le saviez, comme nous le savons tous, c'est déjà protéger nos enfants contre les éventuelles épidémies. Donc, c'est l'objectif et par rapport également à la riposte, nous mettons déjà des enfants en sécurité en fait. On les protège contre ces différentes maladies, évitables par la vaccination bien sûr. À la différence des précédentes, cette opération dénommée AVI vise une cible plus élargie, touchant les enfants de 0 à 14 ans et procède également à un rappel de vaccination. Les cibles, nous avons comme habituellement les enfants de 0 à 11 mois. Et pour cette campagne également, nous avons vu les enfants de 1 à 5 ans. C'est dans tous les antigènes que nous avons, BCG, VPO, polio. Une initiative qui a ravi les habitants de ce village et qui souhaiterait que les actions se poursuivent. C'est un bienfait pour nous, car la vaccination permet aux enfants de plus se guérir et de mieux se protéger face à certaines maladies. Ça doit toujours continuer dans le futur. Pour rappel, les activités de vaccination intensifiées, dit AVI, visent la protection des enfants et des femmes contre les maladies précipitées.